Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite du méga classique des premiers jeux Game Boy, classique si je puis dire, à savoir, le jeu se nomme Kaijuo ou Godzilla. Autrement dit, Godzilla sur Game Boy classique, un jeu tout à fait classique où on contrôle Godzilla qui est en mode quasiment mais rétro quoi, c'est rétro vintage quoi, dont le but est bien évidemment de buter des monstres ainsi que buter n'importe quel obstacle, que ce soit des bateaux, des avions, des hélicoptères, etc. etc. Et je serai accompagné de Pony Gaming 2.0. Voilà, donc vous l'aurez compris, donc il s'agit d'un des tout premiers jeux Godzilla. D'ailleurs, Godzilla, il a souvent eu des débuts un petit peu timides en matière de jeux vidéo. Les premiers jeux Godzilla qui sont sortis, c'était soit sur NES, que j'avais déjà testé il y a déjà très longtemps, ainsi que sur Super Nintendo. Et aussi, et les autres sont sortis aux alentours des années 2002 avec la sortie de d'autres jeux Godzilla. Bon, alors c'est un jeu qui, comme je viens de vous le dire, c'est un des tout premiers jeux Godzilla, sorti en 1993 sur Game Boy Classic, édité par Bandai. Alors attention, parce que là je suis en train de me faire sauvagement poutré. Donc, vous contrôlez Godzilla, dont le bien évidemment de semer le chaos et le désordre, tout en évitant les monstres, ainsi que d'autres obstacles, à savoir les bateaux, les hélicoptères, les avions, etc., etc. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Ah merde, j'ai perdu, bon, c'est pas grave, je comptais recommencer. Classique, hein. Voilà. Ouais. Alors, le jeu, franchement, ça va, franchement, bon, il est pas trop dur, il faut juste savoir bien le maîtriser. Mais il faut vraiment être un véritable fan, et qui plus est, un véritable fan hardcore des jeux de Godzilla, et qui plus est, des films de Godzilla. Hein. Quand je pense que le tout premier Godzilla qui a vu le jour, c'était en 1954, réalisé par Inoshiro Honda, véritable, réalisateur de talent. Ah, vraiment très très ancien, Godzilla, vraiment, ouais, c'est vraiment les plus anciens qu'on puisse connaître dans la sphère cinématographique. Ah oui, le tout premier, le Godzilla de 1954, réalisé par Honda, il était vachement bien. C'était vraiment les films bien fantastiques, bien vintage de l'époque de l'après-guerre, quoi. Bon, je sais qu'en l'occurrence, ça nous fait penser un petit peu à un film typiquement années 50, mais là, franchement, ça, il pète la forme pour un jeu pareil. Hein. Bon, ouais, attendez, parce que... Alors, c'est vrai qu'il est pas mal, hein. Ouais, enfin, encore, comme je viens de vous le dire, il faut vraiment être un véritable fan hardcore des jeux Godzilla. Alors, vous contrôlez donc Godzilla, et il est armé, donc vous pouvez soit taper, enfin donner un coup de patte à votre adversaire, et utiliser son super lance-flamme, si je puis dire, son feu atomique. Mais le problème, c'est que quand on utilise trop souvent son crachat, enfin son cracheur de feu, le niveau baisse, et en cliquant sur la barre que vous voyez là, attendez, parce que là je suis en train de... J'évite de trop marcher pour éviter que l'énergie puisse remonter toute seule. Voilà, c'est bon, tout va bien. Mais en fait, c'est parce que ce compteur d'énergie, c'est à la fois notre vie et notre énergie et notre force en même temps, quoi. Il faut vraiment bien faire gaffe à ne pas trop en gaspiller, ni trop abuser, sinon après, on est un petit peu baisé. Hein. Bah, je trouve ça pas très logique, parce que normalement, dans n'importe quel type de jeu, dans ce style, il y a toujours au moins une barre par rapport à la vie. Et une barre pour tout ce qui est pouvoir, endurance et j'en passe, au moins une barre pour dire que justement il faut attendre pour que ça se recharge et tout. Mais là, franchement, là, c'est la difficulté est beaucoup plus élevée. Avec ça, je trouve ça pas logique, c'est pas normal ça. Bah, faut dire que le jeu, franchement, il est bien, mais bon, ça va, c'est un jeu Godzilla qui en est pas un, quoi. Enfin, parce que là, je sais qu'il faut quasiment poutrer de la. Poutrer d'énergie, mais là franchement c'est, j'avoue que moi franchement c'est un petit peu abusé, parce que là je suis en train de pulvériser cette espèce de dôme, je sais pas ce que c'est ça, peut-être une plateforme pétrolière, je sais pas, bon peu importe, attendez parce que j'attends juste que mon énergie remonte, voilà,
Oui, alors n'hésitez pas à laisser votre énergie remonter jusqu'à ce qu'elle finisse de se remplir. Voilà. Faut aller tout doucement. Ah, encore un ennemi. Ah, super, c'est Mosra, en mode larve. Voilà. Voilà, allez, meurs. Allez, meurs, 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 dégage. Allez, casse-toi, j'aime pas les larves. Allez, voilà. Je pense quand même que c'est limite un préquel sur les jeux Beat'em Up, mais d'une autre façon. Bah, un petit peu, oui. En plus, ça va, le jeu, ça va, il respecte bien, le jeu Godzilla. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que ce jeu est sorti uniquement au Japon. Vous ne le trouverez pas dans dans la liste des premiers jeux Game Boy en Occident, hein, pour la simple raison qu'il n'a jamais. Hein. Oui alors c'est ballot parce qu'il y a certains jeux qui sont sortis sur NES ou la Famicom, comme par exemple Takeshi Castle. Takeshi Castle il me semble, ainsi que d'autres. Mais bon, ça va, ça. Attention. Ah mince, ah, j'étais persuadé qu'il ne me toucherait pas. Oui, alors, attention aux projectiles, parce que les projectiles sont chiants, hein, surtout quand ils sont lancés par ces putains d'avions de chasse de merde. Après, je parie quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux Godzilla qui sont sortis sur justement Game Boy, hein, j'en suis sûr, non? Bah, je crois qu'il y en a un qui est sorti, je crois, aux alentours de l'année 99. C'était l'année où le film Godzilla de Roland Emmerich est sorti. Et après, ils se sont dit, ouais, tiens, on allait sortir d'autres jeux Godzilla. C'était à l'époque où Godzilla faisait un comeback. Ok, personne n'y s'y attendait. Attendez, j'attends juste que mon énergie remonte petit à petit, en faisant attention. Oui, alors, quand vous êtes bas en énergie, n'hésitez pas, comment dirais-je, à laisser votre énergie remonter. Comme ça, vous pourrez poutrer des ennemis. Voilà, allez encore. Allez. Ah, attention, est-ce que je peux... Non, je pourrais pas, j'aurai pas le temps de buter cet hélicoptère. Oh, putain d'avion de chasse, allez, mais casse-toi le porte-avions, là. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Encore les bateaux et tout, ça va, on peut gérer, mais par contre, les avions et les hélicos, non mais franchement, bonjour la galère pour les avoir des fois. Hein. C'est leur boulot de, essayer de buter mais un monstre comme Godzilla, mais le problème c'est que... Ah super, c'est génial, il y en a un qui s'est quasiment foncé dessus à la manière d'un kamikaze, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est leur boulot, Mais bon, même ça permettra pas d'arrêter Godzilla. Hein. Non, parce que Godzilla, je suis désolé, il est inarrêtable, je suis désolé. Hein. Il faudra bien plus que ça. Hein. Oh oui. Bon, attention aux projectiles lancés par les avions et les hélicoptères. Alors, les seuls ennemis que vous allez rencontrer dans ce jeu, c'est soit les monstres, enfin les kaiju, les bateaux, les avions et les hélicoptères. Ainsi que quelques chars, mais vous les verrez à la surface. Attendez, parce que là j'arrive quasiment au bord du le port d'une ville. Je ne sais pas exactement dans quelle ville on est. Soit on est à Tokyo, à Hiroshima, Nagasaki ou Yokohama. Voilà. Et on en profite également pour faire une dédicace à tous ceux qui sont fans de Godzilla. Voilà, ça y est, c'est bon. Je suis littéralement à terre. Voilà, après les avions, les tanks et les chars. Super. Oh là là, et je suis en train de me faire sévèrement poutrer. Attention. Oui, alors, il faut faire attention. Alors, les ennemis, vous pouvez leur donner soit des coups de patte, soit essayer de les enflammer avec votre souffle atomique. Attention. Voilà. Attendez, parce que là, je suis un petit peu en bas d'énergie. Je vais attendre que mon énergie remonte petit à petit. C'est long. Oui, je sais, c'est très long. Mais non, mais on peut voir très clairement que Godzilla, il a la force en lui, quoi. Hein. C'est un dinosaure, mais en mode titan, quoi. Oui. Et, bon, évidemment, Godzilla, il fait quasiment partie des monstres classiques du cinéma fantastique. Bref, c'est un des monstres les plus populaires. Après, King Kong, Gamera, ainsi que quelques monstres populaires genre Alien, Predator, etc., etc.
Voilà. Pas confondre rester avec Cthulhu qui, ce dernier, fait partie des monstres, certes, côté fantastique et fantasy, Oui. mais attention, il est plus récent, hein, par contre. Hein. Oui. Faut pas se leurrer là-dessus. Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que. D'ailleurs, il n'y a pas eu de film avec Sulu tiré de chez HP Lovecraft. C'est bizarre, ça. J'aurais bien aimé, tiens. Des films, si, des films, je pense qu'il y a eu, mais il y a eu aussi des jeux en rapport avec des œuvres de Lovecraft. Je pense notamment Ah à. oui. C'était, je crois, sur PS3 ou PS4, c'était. Mince, j'ai plus le nom. Ah, ça me revient plus. Ça y est, vas-y, continue. Ok. Non, ça y est, c'est juste des messages qu'on a reçus en privé, ne vous inquiétez pas. Ah, attendez, parce que là, pour l'instant, là, j'essaie de rester dans la défensive, parce que là, je suis en train de me faire sévèrement, mais bolosser, et mon énergie, il faut vraiment qu'on conserve son énergie, parce que mais les ennemis sont tellement mais omniprésents dans ce jeu que... Qu'on n'arrive pas très bien à les éviter, quoi. C'est ça ce qui est vraiment mes limites casse-couilles, quoi. J'ai retrouvé le nom, c'est BioShock, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Allez, attention, voilà. Allez, on continue. Voilà, et super, il y a l'avion de chasse qui m'a foncé dessus et qui m'a explosé la gueule. C'est bien, c'est très bien. Attendez. Ici, on a de laisser. Notre énergie remonter toute seule. Oui, je sais, c'est très long, mais bon, je peux pas, comment dirais-je, continuer avec une énergie à moitié basse, hein. Je suis désolé. Voilà, allez, encore. Voilà! Ah, là, il y a un kaiju. On va le buter, mais direct. Par contre, je sais pas quel genre de kaiju c'est, ça. J'arrive pas à le reconnaître. Ah, bah, si. Bon, c'est pas mégalone, hein. Non, parce que Mégalon, il en sent pas du tout à ça. Oui, alors je connais les kaiju et qui pisaient les monstres japonais, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, allez, attendez, je marche tranquillement. En laissant passer. On voit très bien le connaisseur du genre, ça se voit. Ah ouais, mais bon, moi, je suis un fan de cinéma asiatique et puisé depuis des années, donc ça va, hein. Moi, j'ai une grande passion pour le cinéma asiatique, qu'il soit chinois, japonais, et même aussi un petit peu hindou. D'ailleurs, j'essaierai de voir si je peux faire aussi ce qu'on peut appeler un cinéma club sur le cinéma japonais, parce que le cinéma japonais, franchement, il est raffiné, ça va, il est bon, un petit peu trop poussé sur l'originalité, mais bon, ça va, franchement, il est Ah meilleur, franchement, bah. il est meilleur. Dans le genre de cinéma japonais, on peut vraiment parler par exemple des films d'animation, justement par exemple comme les Ghibli et tant d'autres comme ça. Bien sûr, Hein. s'il le faut, j'en parlerai, hein. Ouais. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai buté un ennemi. Attendez que je Mais lui. les films Ghibli, il y aurait tellement même à faire une vidéo à part là-dessus, tellement il y en a. Merci Ouais. Miyazaki pour le coup. Voilà. Ah, super. Là, je suis en train d'affronter Mothra, la mythe géante. Attention, parce que Mothra, c'est pas. Elle est pas commode, celle-là. Elle est pas commode, hein. Quand je pense qu'elle a affronté Godzilla, mais à deux reprises. Voilà, attendez. Bien qu'on sera pas quand même. Voilà, hein. Bon, ça va, franchement. Bon, ça va. Le jeu, ça va, est pas trop dur, mais il faut savoir, mais comment dirais-je, mais bien le maîtriser, savoir bien connaître le jeu. Attention, oui. Ah, mince. Ah, ouh là 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 là. Encore connaître le jeu, c'est une chose, mais surtout bien gérer la barre de vie en Ouais. question, parce que sinon, si on ne sait pas comment ça donne, et évidemment, bah, Ouais. c'est vachement galère, quoi. Oh oui, surtout, oui. Surtout, c'est galère comme à en crever. Bon, attendez, parce que là, je suis en train de. J'attends que. Attendez, j'attends juste que mon énergie. Aïe, attendez, parce que là, j'essaie tant bien que mal de me protéger. Oui, parce qu'on peut se protéger dans ce jeu, mais la protection, elle est misérable. Mais misérable.
Ah, attendez, parce que là, je... Voilà, je dois... Ah, mince! Ah, zut! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je savais que j'allais j'allais merder. Bon, écoutez, c'est pas grave, je comptais m'arrêter là. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'était donc Kaiju ou Godzilla sur Game Boy classique. Un jeu d'action beat'em up, on va dire, assez bien. Enfin, encore faut-il qu'il le soit vraiment. Enfin, bon, le jeu, franchement, il est bien, mais il faut vraiment savoir bien le maîtriser. Mais bon, n'attendez rien de ce jeu, il est juste, il est pas mauvais à proprement parler, il est juste beaucoup trop classique, assez... Bref, un jeu qui respecte bien l'univers de Godzilla, quoi. Faut vraiment, comme je viens de vous dire, il faut vraiment être un véritable fan hardcore de Godzilla pour pouvoir y jouer. Hein. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle le titre, Kaiju ou Godzilla sur Game Boy Classic, sorti en 1993 sur Game Boy Classic, édité par Bandai. Si ce vidéo vous a plu, si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Salut! À toi, Spirek! J'ai dit? Ah, pardon, excusez-moi, on t'entendait pas! Ah ouais, pas de soucis! Ah, pardon!